Yo les Nakama, aujourd'hui nouvelle vidéo d'un animé à voir absolument, mais avant ça, intro. Si tu aimes l'action, l'aventure, la comédie, l'ecchi et le fantastique, The Eminent in Shadow est fait pour toi. The Eminent in Shadow est un isekai incontournable, bénéficiant de tout le savoir-faire de Kadokawa Corporation. Éditeur également à l'origine de The Rising of the Shield Hero, Mushoku Tensei et Kusun Hero. Action, complot et humour décalé, tels sont les ingrédients de cet animé qui n'a pas fini de nous prendre à contre-pied, notamment grâce à son héros spécialiste du double jeu et faisant mine d'avoir tout prévu. Cerise sur le gâteau, une adaptation en animé est disponible depuis 2022. On va suivre l'histoire de Sid qui est un petit garçon qui rêve de faire son entrée dans le club ultra restreint des éminences de l'ombre. Des personnages mystérieux qui influent le cours des événements depuis les coulisses et qui possèdent d'incroyables pouvoirs. Lorsqu'il est propulsé dans un monde parallèle à la suite d'un accident, il décide de tirer profit de ce nouveau départ et d'échafauder de toutes pièces une histoire dont il s'attribue en secret le rôle principal de future éminence de l'ombre. Il va même jusqu'à recruter des agents parmi les jeunes filles de son entourage et les abreuve de mensonges pour s'assurer de leur coopération. Seulement, Sid ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure, ses bobinements prennent une dimension bien réelle. C'est le but d'une épogée qui fait la part belle aux malentendus et aux mépris multiples. Dans le Japon d'aujourd'hui, un garçon nommé Minoru Kageno aspire à devenir un cerveau exerçant son pouvoir dans l'ombre. Au cours de sa formation clandestine, un accident imprévu se produit lorsqu'il est heurté par un camion. Entraînant sa disparition prématurée, à sa grande surprise, il se retrouve renaître dans un royaume fantastique sous le nom de Sid Kageno. Ici, il décide de maintenir une façade de médiocrité, évitant intentionnellement les feux de la rampe tout en nourrissant secrètement son rêve d'orchestrer le pouvoir dans les coulisses. Alors que Sid poursuit sa vie dans ce nouveau monde, il rencontre une fille elfe souffrant d'une mystérieuse maladie. Mettant à profit ses connaissances acquises, Sid réussit à la guérir. Saisissant l'occasion, il invente une histoire pour l'elfe, désormais nommé Alpha, affirmant que ce monde est sous le contrôle de l'infâme culte de Diablos. Sid, sous l'apparence de Shadow, le chef de l'organisation clandestine de Shadow Garden, assure à Alpha qu'il possède les moyens de vaincre la secte et de rétablir la paix dans le pays. Avec un tout nouvel objectif, Alpha devient un membre enthousiaste de Shadow Garden, assumant le rôle de recruteur et aidant Sid à étendre son influence. A son insu, sa lutte de pouvoir fabriqué par Sid n'est pas une simple fiction. C'est une dure réalité dans laquelle lui, en tant que Shadow, est maintenant activement engagé. Sous ce pseudonyme, il navigue dans le réseau complexe d'intrigues politiques et de conflits magiques, luttant contre les forces mêmes dont il avait initialement seulement prétendu exister. En tant que ombre, Sid se retrouve de plus en plus mêlé aux conflits du monde fantastique, les frontières entre son histoire fabriquée et les luttes réelles s'estompent, l'ancien cerveau en herbe est désormais confronté au défi d'être à la hauteur du rôle qu'il a créé et de diriger Shadow Garden dans la lutte contre les véritable menace posée par le culte de Diablos. Shadow Garden est une organisation clandestine secrète fondée par Sid Kagenu et son premier subordonné et disciple Alpha. Alors qu'Alpha gère efficacement l'ensemble de l'organisation et toutes ses filiales, comme Mitsugoshiko, Sid détient une autorité absolue au sein de ce groupe. Cette autorité lui permet de prendre toutes les décisions ou changements à sa guise que tout autre membre doivent suivre. Un exemple parfait est celui où Sid a ordonné de manière fantaisiste à Delta de traquer Juggernaut, annulant ainsi sa mission actuelle assignée par Alpha. Alpha étant la première membre et le premier et le plus proche ami de Sid dans ce monde, étant son premier véritable ami dans ses deux vies, a le privilège de s'adresser directement à lui par son nom sans utiliser de titres honorifiques comme Seigneur, Maître, Argy ou Sama. Elle l'appelle simplement Shadow ou Sid. Les 7 membres originaux de Shadow Garden après Sid, ils occupent les postes d'autorité les plus élevés de l'organisation. Tous les membres classés en dessous d'eux se réfèrent à eux en utilisant les titres honorifiques comme Sama après leur nom. Les 6 autres nuances s'adressent à Alpha comme Alpha Sama, tandis qu'Alpha les appelle directement par le nom sans inclure aucun titre honorifique. Ils se tiennent au-dessus du reste des membres car ils ont été formés et éduqués par Sid lui-même et le pouvoir qu'il exerce maintenant leur a été conféré par lui. Les seules exceptions connues sont Rose et Victoria. Voici un nouvel isekai qui entre dans la danse de nombreux animés du genre. Est-ce qu'il se démarque? La réponse est oui, il y arrive. The Eminent in Shadow est un animé qui varie bien entre le sérieux et la comédie absurde portée par un personnage principal amusant et intrigant, et une animation de haute facture, mais qui tombe aussi dans certains pièges de son genre, en mettant au cœur de son histoire le personnage de Shadow ou de Sid Kageno. L'animé propose une idée spéciale, un personnage principal qui sera difficile de décrypter,
même pour les spectateurs. Est-il vraiment un gamin surentraîné qui a eu de la chance de renaître dans son écrin idéal et ne comprend pas la menace qu'il affronte, même s'il la surclasse? Ou est-il vraiment un génie de l'ombre comme tout le monde l'imagine? La réponse semble pencher d'un côté, et est-ce que ce personnage principal qui permet de créer des moments très absurdes, avec des décisions pour être le plus médiocre possible qui sont parfois bizarres? Sid Kageno est donc un personnage vraiment bien conçu, il fait donc beaucoup d'ombre à ses elfes et au reste des personnages. Elle reste encore au statut de simple pion, pas très intéressant. Certains personnages se démarquent, mais globalement, on assiste plutôt au Shadow Show en continu. Et même si c'est souvent amusant, cette surpuissance provoque aussi un peu de redondance sur l'ensemble. L'anime réussit à poser les bases d'une histoire qui promet d'être bien plus dense et excitante par la suite pour offrir une scène spectaculaire à son anti-héros. L'anime s'est doté d'une animation à la hauteur sans proposer une mise en scène particulièrement originale. Le rendu est toujours propre et fluide sur les épisodes, géré parfaitement. Cette maîtrise se ressent aussi sur la séquence d'action. Il faut aussi noter le travail sur l'ambiance bien sombre. On suit un type qui veut être le maître de l'ombre et l'ambiance imaginée permet de bien plus le ressentir. The Imminence in Shadow offre donc une immersion totale dans l'anime plus drôle et intéressante que je ne l'imaginais et qui laisse entrevoir de belles choses pour la suite. Mais elle devra enclencher la seconde pour passer au palier supérieur et être dans le top des isekai, dont il est assez proche je trouve. Voilà pour The Imminence in Shadow, alors je sais pas si des personnes connaissaient déjà l'œuvre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me dire si grâce à cette vidéo tu as envie de tenter l'aventure dans cet animé complètement dingue. Alors j'ai fait quand même assez court pour la présentation parce que j'ai pas non plus envie de vous en dire trop et vous dégoûter un petit peu et vous dire ouais bah il m'a dit déjà tout ce qu'il y avait à savoir sur l'animé donc je vais pas continuer. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de personnages que j'ai pas dit et vous verrez que l'univers est vraiment top si jamais tu décides de te lancer dans cette aventure et les personnes qui ont déjà vu cet animé pourront te le dire en commentaire. Après bien sûr les avis divergent à chaque fois de différentes personnes, tout le monde ne peut pas aimer et c'est ça qui fait la différence. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, je t'invite à t'abonner avec la cloche des notifications et à liker la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine les nakama, allez ciao.